boxer, la zone est très petite en arène. Vous avez plus de construction, vous avez besoin d'un refresh, la preuve, regardez, le gars il est en train d'essayer de me jouer. Il a besoin aussi d'un refresh. Donc vous allez juste venir, vous allez boxer genre au-dessus de lui. Vous allez faire un box par-dessus son cône, voilà comme ça. Vous allez éviter votre escalier ou votre triangle comme ça. Le gars est en train de tirer sur des autres adversaires. Vous allez mettre votre dernier match là-dessus, par exemple, si vous en avez un. Ici, vous passez à travers, vous tuez le. Vous traquez le gars, vous le traquez. Voilà, vous tuez de toute manière, voilà. Du coup voilà, vous tuez le gars et peut-être votre game est totalement relancé là-dessus. Du coup voilà, là, et yo tout le monde, c'est R2D de Gaming, j'espère que vous allez bien. En tout cas, ça va nickel dans cette vidéo, on est en compagnie de Ludon, salut à toi. Yo. Du coup dans cette vidéo, comme on fait plusieurs soltiges, on va vous présenter les 3 nouvelles techniques ultra cheatées pour rentrer dans le box avec les matchs à chute. Parce qu'on sait très bien que les techniques de match à chute, c'est quelqu'un qui est box, voilà, on balance le truc par-dessus, ça passe. Mais c'est là tout le monde la connaît les gars avec le mur. Du coup on va vous présenter les 3 nouvelles qui sont sorties il y a 2-3 jours. Du coup je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo, ça peut être cool. Du coup on va commencer directement. Objectif 15 likes cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait les gars. Du coup c'est parti, on se retrouve après. Juste avant qu'on commence les gars, pour les techniques pour entrer dans les box. Ce qu'on va faire dans la vidéo, c'est qu'on va se mettre dans des vraies situations réelles qui se déroulent en fight. Imaginons les gars, vous êtes comme ça, tranquillement, vous vous baladez. Il y a quelqu'un qui fait une fenêtre à un ennemi, il commence à vous tirer dessus. Voilà, vous le mettez blanc, il vous a mis une petite tête, mais il est blanc les gars. Vous allez juste venir ici, au lieu de venir le rusher comme un dégénéré. Et vu que vous n'arrivez pas à lui reprendre le mur parce qu'il y a une meilleure co, vous allez juste vous box ici. En fait les gars, tout simplement comme ça. Et du coup le gars, il va bah, vous essayer de lui reprendre le mur, mais ça marche pas. Tout le temps, il est low. Vous allez juste venir ici lancer votre match à chute. Vous allez passer à travers, vous allez le tuer, voilà, de cette manière là. Du coup le gars pourra très clairement rien faire parce que du coup il va être perdu parce qu'il s'y attendra totalement pas. Du coup voilà, ça c'était la première technique les gars, on passe directement à la deuxième technique. Et pour la deuxième technique les gars, imaginons encore une fois quelqu'un vous balaye. Du coup vous tire dessus, vous l'avez mis encore une fois low. Vous avez une petite balle mais vous en foutez, vous l'avez mis très très low. Par exemple j'ai mis 49 et 33 blancs. Du coup vous allez vouloir venir lui prendre le mur. Vous n'arrivez pas à lui reprendre le mur en fait, tu vois, parce qu'il a une bonne co, c'est un exemple hein. Et du coup voilà, pour être plus tranquille. Du coup vous allez juste venir au dessus, mettre un escalier ici, mettre le matelas de cette manière. On passera à travers, donc là totalement rien faire. N'importe quoi, mais voilà, on est compris les gars. Du coup le gars faut totalement rien faire, surtout si vous avez un bon aim les gars, quand vous rentrez dans la box. Le gars est totalement perdu et du coup bah décède. Et du coup vous recevez le kill sans perdre trop de vie normalement. Voilà les gars. Du coup, on passe directement à la dernière technique. Du coup, voilà les gars, pour la dernière technique de cette vidéo avec les matelas de chute. Du coup, je vais vous montrer directement. Imaginons, vous êtes boxé, la zone est très petite en arène. Vous avez plus de construction, vous avez besoin d'un refresh. La preuve, regardez, le gars il est en train d'essayer de me jouer. Il a besoin aussi d'un refresh. Donc, vous allez juste venir, vous êtes boxé genre au-dessus de lui. Vous allez faire un box par-dessus son cône, voilà comme ça. Vous allez éviter votre escalier ou votre triangle comme ça. Le gars est en train de tirer sur des autres adversaires. Vous allez mettre votre dernier matelas de chute, par exemple, si vous en avez un. Vous passez à travers, vous tuez le. Vous traquez le gars, vous le traquez. Voilà, vous tuez de toute manière, voilà. Du coup voilà, vous tuez le gars et peut-être votre game est totalement relancé là-dessus. Du coup voilà, là il a fait exprès, mais en game, je vous assure que les adversaires ne s'y attendent pas. Et du coup, bah ça peut totalement jouer. Du coup, moi je pense que c'est la meilleure technique celle-ci. Si vous voulez tout simplement surprendre l'adversaire et vous pouvoir le tuer. Du coup voilà les gars, on arrive déjà à la fin de la vidéo. Merci à Ludon de m'avoir aidé à faire la vidéo du coup. De rien. Du coup voilà les gars, objectif combien de likes Ludon, tu vas choisir. Un petit 20 likes, c'est faisable. En vrai c'est largement faisable, du coup n'hésitez pas à liker et vous abonner, c'est très très simple, vous devez appuyer sur ces deux petits boutons. Et du coup ça me ferait très plaisir. Mettez dans les commentaires si vous voulez des autres vidéos tuto comme ça. Par exemple des tutos comment gérer vos fins de zone sans stresser et tout, voilà les gars. Du coup voilà, merci d'avoir regardé la vidéo, merci de vous abonner, c'est pas encore fait les gars, ciao.